Donc c'est le projet qu'on a mené en mode commando. En revanche, la décision de lancer la marketplace, elle a été mûrie sur de nombreux mois. Mais une fois que la décision a été prise par la direction générale de lancer cette marketplace, on a mis en œuvre vraiment une équipe, des process, une méthodologie projet commando. Alors on avait la chance de travailler avec les équipes Pixmania, qui pratiquait la méthodologie agile depuis de longues années. Donc on a vraiment mis en œuvre cette méthode. Alors commando aussi, c'est qu'on a été un peu lancé en autonome sur un terrain isolé, avec très peu d'interaction avec le monde du groupe Carrefour, en limitant les interdépendances avec vraiment le strict minimum. En l'occurrence, c'était la finance. Puisque là, clairement, il y a des enjeux financiers à prendre en compte. Pour le reste, on a travaillé en mode commando, aussi un peu artisanal, très pragmatique, de façon à lancer en 6 mois cette marketplace, en complément et en étant hébergé sur le site Carrefour Online, hein, qui hébergeait des offres Click and Collect. Et donc, on l'a lancé de manière assez low profile, en essayant de ne pas mettre en concurrence les produits de la marketplace avec ceux du site qui étaient sourcés et distribués par Carrefour. Voilà, donc ça c'était la première approche, vraiment commando. Après ces 6 mois, il y avait une autre approche là qui était plutôt plus du tout commando, mais qui était de se rapprocher des différentes entités du groupe, des différents décideurs de l'organisation, pour faire preuve de pédagogie et montrer sur quelque chose qui tournait déjà, ce qu'était la marketplace, et d'essayer de trouver avec ses acteurs le moyen de passer les étapes supérieures et de mieux s'intégrer dans le monde Carrefour.